Ah, oh bébé, ça va. Allô Baptiste, comment tu vas? Maman est à la maison. Ok, allons-y. Mais comment on peut arriver jusqu'à ce niveau? Toi, tu demandes à quoi qu'on peut encore. Alors que nous avons traversé le bar de l'autre côté là-bas. Avec tous ces désordres là, je ne peux pas. Non, il est mieux que nous restons. Il est mieux que nous restons, qu'on aille pas. Avec tous ces désordres là. Regardez. Madame. Mais je m'adresse à qui là? Hein? Tu vois comment elle répond à son mari? Hein? Elle passe le temps en fait à pénicure, manicure, devant les assiettes sales. Hein? Les habits sont là depuis 2 semaines sans être lavés. N'est-ce pas? Et en passant même, le technicien n'est pas venu arranger le plafond. N'est-ce pas, je suis devenue une technicienne. Je t'ai laissé à la maison pour vivre tout, tout ça. Hein? Merci. Merci. C'est pour, c'est pour ça que tu allais me prendre chez ma mère. Ah, madame passe le temps à faire ta pénicure, manicure à la maison. Les assiettes sont pas lavées. N'est-ce voilà pas? La passée lavée depuis 2 semaines. Qu'est-ce que ça signifie ça? Je suis devenue quoi? Ta bonne? Tu allais me prendre chez ma mère pour qu'elle vienne devenir ta bonne ici. Tu as demandé de prendre une bonne. Tu ne veux pas. Une bonne? Donc tu ne peux pas faire tourner les bonnes. Il faut enchaîner ici dehors. Ah bon, regarde toi-même, regarde mes mains. Regarde mes mains. Tu veux que mes mains deviennent comment? Tu es différente des femmes qu'on voit partout ici dehors? Oui, je suis différente. Tu ne savais pas ça. Vraiment, Charlie, vraiment, je ne peux pas supporter ça. Hein. Depuis 5 ans du mariage, 5 ans de mariage, tu n'arrives même pas à me préparer une bonne nourriture. Ah bon? Tu passes le temps à faire les bonnes de main. Depuis 5 ans, tu manges où? De toute façon, madame, tu vas aller retrouver tes parents. Tu vas aller retrouver tes parents. Tu parles comme si tu étais dans mon cœur. C'est ce que vous voulez aller chez ma mère. Ok, tu vas aller chez ta maman. Comment? Il me parle, on dirait comme si. Il a même un endroit là où les gens peuvent vivre. Tu parles comme si tu étais dans mon cœur. Et vous voulez aller chez ma mère. Il me parle comme si, quoi, peut-être qu'il a une maison. De toute façon, tu vas aller apprendre à te comporter chez ta maman. Oui. Non, oui. Ah, tu l'as même pour quoi? Laisse-le. Yannick, laisse-le. Laisse-le partir, laisse-le partir. Charlie. Charlie. Qui part avec? Tu es mon ami, n'est-ce pas? Mais avec ce comportement-ci, hein, j'en ai marre. Depuis 5 ans de mariage. C'est ce que vous voulez même. Yannick, part avec. C'est ce que vous voulez. On doit aménager la femme doucement, doucement jusqu'à ce qu'elle marche. Avec ce comportement-ci, elle arrive même à la bonne monture. Laisse-le aller chez ma mère. Laisse-la amener les choses chez ma mère. Tu l'arrêtes même pourquoi? Laisse-le. Charlie, accompagne-moi là-bas. Laisse-le. Ok. On n'a pas le choix. N'importe quoi. Oui. Et sache que moi-même, je viens là-bas. Tu vas te mettre à la poussée des parents. Oui, moi-même, je viens là-bas. Tu n'as pas la bonne manière. On va voir ça. Viens pas. Viens pas chez la mère. Viens pas. Pourquoi tu fais ça? Tu veux là. Non, non, mec, calmez, dis donc, Charlie, c'est trop. C'est trop. Allons. La maman est là. Elle est sortie là, mais elle arrive d'un moment à l'autre. Il y a un problème. Quel problème? Quel problème? Mais, Mambo, mais c'est comment? Il y a un problème. Là, là voilà qui arrive d'ailleurs. Ok, c'est bon. Quoi? Je t'ai arrêté chez ma mère. J'étais toujours là-bas, dans ma maison. Bonjour. C'est ma belle-mère. Excuse-moi de te présenter ma belle-mère à cette occasion. Il a quoi? Attendez. Tous les gens, les chaises. Oh! Oh! Attends. Je suis venu en train d'être gourmé pour son compte commun. Mais moi, il ne faut pas les gens. Tu es debout. Tu es là, assis. Gars, assieds-toi, assieds-toi. Elle est malade. Maman, non, non, maman, je ne peux plus supporter. C'est pour fils, c'est encore. Tout ça, c'est pour qui? C'est ce rappel de Rosalie. Je lui ai demandé de rentrer à la maison, apprendre les bonnes manières. Ah. Moi, je ne peux plus supporter. Voilà, voilà environ 5 ans, je te parle de ta fille. Hein? Elle n'arrive pas à m'entretenir à la maison. Ah. Il y a encore quoi, alors? Je suis toujours madame à la maison, en train de faire les pénicules, manicures, dans un désordre, une solide, un désordre absolu. Les habits sont là, elle n'a pas lavé depuis le matin. Les habits sont trempés depuis 2 semaines, elle n'arrive pas à laver. Je dois quitter mon boulot, venir à midi laver les habits. Dans quel mariage ça?
La nourriture n'arrive pas à me préparer la bonne nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Préparer la bonne nourriture, ça veut dire quoi? Le salon est sale. Rosalie, ma fille. Moi, c'est que les femmes viennent louer pour aller préparer la nourriture. Même ma fille, notre première fille, elle est sale à chier. Ça ne va pas. Je lui ai dit qu'elle rate sur sa parent, apprendre les bonnes manières. Mon fils, tu comprends, non? Oui, maman. Chaque problème a une solution. Moi, j'ai trop supporté. J'ai trop supporté. Tu penses que je m'en demande à mon ami? C'est pas ça, Charlie. Le mangeur, fais le constat sur place, c'était vraiment... Rien, donc ne fait rien là-bas. Elle ne fait rien à la maison. Elle dit qu'elle passe le temps à faire sa pénicule, manicule, à la maison, dans un désordre absolu. Mon fils, tu sais, je ne veux pas qu'il y ait de problème. Voilà maintenant tous ces sacs que tu... Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Voilà, c'est ça. Chaque problème a une solution. Tu comprends? Avec ce problème-là, avec ça, maman, ça fait 5 ans, non? Ce n'est pas ta fille. Maintenant, tu pleures. Oh. Elle te fait pleurer. Mon fils. Maintenant, tu pleures. Il n'y a aucun problème dans ce monde qui n'a pas de solution. Maman, ça fait 5 ans, hein? Pardon, pas avec ta femme, pardon, papa. Non, je ne peux plus supporter ça. Qu'elle rentre d'abord ici, qu'elle appelle les bonnes manières avant de rentrer à la maison. S'il te plaît. Moi, de toutes les façons, moi, il faut qu'on aille. Tu t'assois, t'as une chaise comme ça chez toi. Tu prends la maison de ma mère. La maison que tu veux pas, la maison de ma mère. Ah, dites-moi ça. Maman. Tu m'arrêtes. Tu vois comment il m'a fait là-bas la maison? Tu vois comment il me cherche chez lui, comme si elle n'est pas de maison. Okay. N'est-ce pas chez la maison? Je suis chez moi. Ok. Et que je suis chez moi. Voilà, de toutes les façons, là je voilà. Hein. Quelle est la peine, les bonnes manières? Moi je vais à la maison. Moi ça, tu te plains même pas où? Charlie, on va. Allons-y. De toutes les façons. Fais comme si on. Laisse. Allez, touche pas quand même. Qu'est-ce que ça veut faire? Viens de monter. Viens de monter. Qu'est-ce que c'est ton affaire? Qu'est-ce que c'est ton affaire? Charlie, arrête-moi mes pieds ici. Donne ma fille. La belle médecine. Laisse mon enfant. Oui, ça ne fait rien. Mais moi, je m'en vais avec ma fille. Laisse mon enfant. Tu prends la femme. Tu as su que c'est ton enfant. En quoi? Porte mon enfant. Encore? Merde, c'est pas mon enfant. Bon, papa, laisse comme ça. Laisse comme ça, papa, laisse. Tu vois la parole que la passe, non? Non, ça va, ça va, ça va. Il y a les paroles de colère. Ça va, papa. Mon bébé, allons. Tu t'attends encore à la maison. Mais tu t'attends à la maison. Tu vas voir mes pieds là-bas. Okay. Tu vas venir pas de maison. Ok, reste chez vous. Oui, je reste chez nous. Je reste chez nous. Non, pardon, tu ne vas pas venir là-bas. Tu ne vas pas venir là-bas avec l'enfant. Tu vas venir là-bas avec l'enfant. Toi qui as accouché l'enfant là. Hey! Marie Congotelle! Il t'a même rien fait. Allez, aide-moi, allez te donner le coup de. Tu connais mes coups de. Toi, t'es rien demandé la paix. T'es rien demandé la paix. Tu pensais que c'est le plat de nourriture que tu es venu calculer ici là. C'est là, donc, tu as mal calculé. Tu as mal calculé. Mal calculé, mal calculé. Tu avais le gros corps, ton gros corps là. Voilà, va. Tu veux faire quoi? Tu fais moi, pleurer. Tu fais pleurer là-bas. Maman maintenant. Et tu parles même pas là-bas. Rosalie, tais-toi! J'ai honte! J'ai honte là où je suis là! Si j'avais ma voisine ici, tout ça que je mets, j'ai même dit, j'ai disparu! Le seul héritier ici, c'est moi! Hein? Ouais! L'héritage n'est pas encore parti, tu as parlé de l'héritage! C'est pour ça que tu ne conçois pas ta maison! Ne conçois pas! Hey, madame, tu t'étais! Ça, c'est la maison de mon mari. Ce n'est pas la maison que je vais discuter avec. C'est la maison de mon père. C'est toi qui as mis. Ouais, c'est la maison de mon père aussi. Prenez ma place. Prenez ma place. Madame, ne crois pas que comme tu as dû faire le bon à ton mari, tu n'as pas la place ici. Tu n'as pas. Faut lui dire. Quoi? Ta chambre est déjà en location. Tu peux. Prenez ma chambre. Prenez ma chambre ici. Quelle chambre? Prenez ma chambre ici. C'est ton mari. Tu as ta chambre. Prenez ma chambre ici. Papa. Tu n'es pas ma souillée. Ton mari dit que tu ne connais rien faire. Elle juste qu'elle te fait pleurer. Elle te fait pleurer. Tu ne connais pas préparer. Maman est de mal que depuis 5 ans qu'on vient ça, il mangeait quoi? Ce n'est pas la nourriture qu'il prépare. Il mangeait quoi? Tais-toi d'abord. Et puis tu te tais. Moi, t'as dit que me parle plus la mère. Me parle plus la mère. C'est comme tu es entré ici. Tu me souilles. Tout le quartier s'y connaît que si on veut préparer une bonne nourriture, on vient m'appeler. Laisse maman, j'ai les dossiers au ministère. Tu vas vivre.
Tu vas, je ne mets pas les enfilages pour rien. Tu vivras. Oh, laisse-moi ça. Assieds-toi là-bas. Est-ce qu'il y a un problème? Quand je viens te consoler maintenant, mais tu partiras d'ici. Tu n'as pas la place ici. Si tu comptes, tu es sage. Repars chez ton mari, tu lui demandes pardon. Tu le... Maman, elle ne peut pas moi retourner là-bas. Elle ne peut pas. Tu ne peux pas la donner. Elle ne peut pas retourner là-bas. Ici, ce n'est pas chacun. Tu as pris ce Elle ne peut pas retourner là-bas. Maman, elle ne peut pas. Tu ne vas pas retourner. Tu vas retourner. Elle ne peut pas retourner là-bas, maman. Elle ne peut pas. Parce que tu seras où? Parce que tu seras où? Il y a ma chambre ici, non? La chambre est déjà en location. Il y a ma chambre ici, non? Pourquoi? 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 Écoute ce que tu dis à ton mari. Tu crois que l'enfant là c'est ton enfant? C'est l'enfant de qui? Va alors lui donner ton blanc. N'est-ce pas, il a appris que tu as un blanc. L'enfant est noir, toi tu as un blanc. Ce n'est pas ton enfant ici. Ton plat de nourriture, si c'est ça que tu calcules, tu n'as rien. Toi, tout ton problème, c'est même que la nourriture que tu connais. C'est tout ce que tu connais dans ta vie. Même la chambre là, tu n'as même plus rien. Même si le locataire là sort, tu n'as. Je dis, là où on est là. Même maman, mon salon là, tu ne peux pas accepter. Maman, non, elle ne rentre pas là-bas. Elle ne rentre pas là-bas, elle ne rentre pas. Elle ne rentre pas là-bas. Elle ne rentre pas là-bas, elle va habiter ici. Moi, je te dis que tu n'as plus de place ici. Ta chambre est déjà en location. Tu dois partir. Maman, elle ne veut pas, retourner là-bas, elle ne rentre pas là-bas. Je te dis que tu ne rentres pas là-bas. Quand tu dansais sur les fourmis, tu savais pas que ça piquait. Même mon salon là, tu ne peux pas accepter. Maman, elle ne peut pas là-bas, elle ne rentre pas là-bas. Chérie, quand tu vas rentrer chez ton mari. Maman, elle rentre pas. Je ne peux pas accepter que tu te comportes comme ça. Quand tu étais ici, viens préparer pour nous le malaroute. Voilà ça aujourd'hui. Moi, c'est un mot loup. Pour préparer, tu vas me suivre. Maman, pardon, comprends-moi, là, il ne faut pas aller à la personne. Amina, tout ce qui est Pascal, c'est fini. Va danser sans nous. Oh. Maman, pardon. Avance. Mbita, Mbita, le chef, c'est encore son sac. Awa to zali, awa to zali, toko kende kuna. Kirindum, kirindum, awa to zali.